حضور الناخب الوطني جمال بلماضي لملعب جابوما لمتابعة المباراة اللي تجمع منتخب غينيا استوائية ضد المنتخب الإيفواري. السلام عليكم شيخ، صباح. السلام عليكم كوتش. Coach, une petite déclaration un petit peu sur ce match. Sur ce match que vous allez suivre. On imagine que vous avez déjà détaillé toutes. Vous avez un petit peu analysé plutôt toutes les matchs de ces deux équipes. Comment voyez-vous cette partie? Ah, mais justement, aujourd'hui c'est parfait pour. Voilà, on a un retard, je suis à Kawa. Deux secondes. Non, c'est pas 6 minutes. Ah, c'est parfait pour voir un petit peu. C'est parfait pour voir un petit peu. On a évidemment, ça fait déjà 2-3 mois qu'on a bien étudié ces équipes-là, mais bon, là aujourd'hui c'est parfait. On va bon, se rencontrer l'une et l'autre. C'est nos deux prochaines rencontres. Donc on aura l'occasion de juste de confirmer ce qu'on a pu voir. Et puis on ne sait jamais. Par exemple, sur le match d'hier, on avait un joueur Colker, qui est un joueur qui est nouveau. Qui a vraiment eu un impact, il a apporté encore un peu plus de solidité à cette défense, de l'impact physique. C'est quelqu'un de joueur qui, voilà, il n'avait pas l'habitude de jouer pour Sierra Leone, je crois que sa première sélection. Donc voilà, il y aura peut-être des nouveaux et on va voir ce que ça va donner. Coach, aujourd'hui, il y a eu l'absence de deux joueurs à la séance d'entraînement, à savoir Ben Nasser et Oukidja. Rassurez-nous un petit peu sur leur état de santé. Non, ils vont mieux. Le peuple, il est solidaire avec vous. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux. Un mot là-dessus. Laissez-le travailler, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire les réactions étaient très, très positives. Non, mais je pense que le chemin... Tu ne peux pas le tuper. Araf, il sait que son équipe, elle est là, elle se bat. On affronte beaucoup d'adversité qui dépasse même le cadre du terrain. Alors aujourd'hui, on est l'équipe visée à tous les niveaux, toute la journée en train de parler de nous. Alhamdoulilah, c'est on va dire, la rançon de la gloire. On assume ce statut-là. On est comme ça en première ligne. Et puis voilà, ça va. C'est que de la bonne expérience pour l'avenir, pour maintenant, pour l'avenir. On assume ce statut et Inch'Allah, on va essayer de rendre fier notre peuple. En tous les cas, les joueurs sont déterminés. Hier, un but aurait pu changer complètement, parce qu'il faut savoir aussi analyser. C'est vrai qu'on n'était pas trop content du résultat final. Mais en soi, quand on analyse, on est peut-être une des équipes favorites de ce tournoi. Qui s'est procuré le plus d'occasions, qui a eu plus de situations. Il aurait juste fallu un but et je pense que le score aurait été plus large. On accepte ça et on se met au travail, on se remet au travail et puis on est déjà sur le prochain match. Coach, vous a rarement vu, énervé pendant un match. Est-ce qu'aujourd'hui, 24 heures après, est-ce que... Ça veut dire que vous ne voyez pas bien. Non, mais hier, il est toujours énervé. On a vu des images, vous tenez la tête. Non, c'est... La déception. Je ne sais pas si ça s'appelle l'énervement. C'est vivre passionnément ces matchs-là. Chacun a sa manière de vivre les matchs. J'ai toujours vécu de cette manière-là. Peut-être un peu plus qu'hier, quand on voit le fait de voir qu'on n'arrive pas à ouvrir le score, fait que voilà qu'on est un peu plus excité, mais voilà, tout en maîtrise, tout en contrôlant. C'est mon caractère, la reine ne peut pas me changer. Merci coach, merci. عيشوا إثارة مباراة الخضر برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.